Que les artistes que je vais vous présenter dans ce premier lot. Sarah, n'arrête de me huer, s'il te plaît, tu as dit que je chantais bien. Donc ce premier lot, c'est un lot de 4 vinyles et de 1 CD, donc ça fait beaucoup. Je vais essayer d'aller assez vite pour pas que le vide-grenier dure 3 ans, mais je vais faire de mon mieux parce que j'ai envie de parler des albums, je me suis renseignée dessus et j'ai trouvé ça cool. Le premier objet de ce lot, c'est le CD du coup que je vous présente en premier parce que c'est moins impressionnant à montrer. C'est un CD de Muse, The Resistance, yeah. Muse, est-ce que je vous les présente? Je ne sais pas parce que c'est quand même un groupe hyper connu qui s'est formé en 94, donc qui commence à dater. En fait, le chanteur, c'est Matthew Bellamy, il ressemble à David Tennant, et du coup, c'est marrant, j'aime bien. C'est leur 5e album studio, il est sorti en 2009, l'année de la mort de Michael Jackson. C'est un album super cool parce qu'il est très symphonique, surtout les 3 derniers morceaux qui sont en fait un même morceau, hein, c'est partie 1, partie 2 et partie 3 d'Exogenesis. Il y a aussi du R&B avec de l'influence un peu Timbaland, et il y a aussi du Chopin, voilà, une reprise de Chopin, donc c'est super cool, il y a vraiment de tout. J'aime beaucoup, beaucoup Muse, donc j'étais très contente de tomber sur cet album. J'avais aucun album d'eux, donc là, The Resistance, il est vraiment cool. Et bien sûr, comme c'est un lot, je vous dis le prix de l'eau à la fin, ça va de soi. Le deuxième album de ce lot, c'est donc un vinyle de Supertramp, Crime of the Century, avec cette magnifique pochette, hein, vous la voyez, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est leur 3e album et c'est le premier en fait qui marche pour eux, parce que en fait, c'est la formation classique qu'on connaît de Supertramp qui va plus tard faire Breakfast in America, parce qu'il faut savoir que Supertramp, en fait, il y a une dizaine de membres différents. C'est comme Pink Floyd, c'est le bordel. Là, en l'occurrence, les thèmes qui sont abordés dans cet album sont plutôt sombres, ils parlent d'aliénation mentale et physique, la frontière entre la raison et la folie, donc voilà, c'est assez glauque comme thème, mais ça a marché à l'époque. On est très content de le rentrer dans notre collection parce qu'on avait que Breakfast in America, là au moins on découvre un nouvel album d'eux et franchement en plus il est super bien. Le deuxième vinyle de solo, c'est The Police Synchronicity, hein, c'est pas facile à dire, mais du coup c'est l'un des groupes préférés de Sarah, donc il fallait bien qu'on prenne, hein. C'est en même temps un groupe tellement bon, je vous les présente pas non plus, je pense que tout le monde connaît The Police, au moins pour quelques chansons, hein, comme Don't Stand So Close To Me. C'est horrible, pauvre Sarah, quand tu as monté ça. Donc cet album, c'est leur 5e et malheureusement dernier album. Et oui, parce qu'après Sting va faire sa carrière solo de son côté. Je ne savais pas que The Police avait aussi peu duré dans le temps, parce qu'au final il est sorti en 83, donc c'est il y a longtemps quand même, donc voilà, c'est un peu triste. C'est un album qui va beaucoup beaucoup marcher, donc tant mieux pour eux, ils ont fini en beauté, ça fait plaisir. C'est pas comme certains groupes qui se séparent parce que du coup ils vendent plus et du coup ils se séparent, donc c'est un peu triste. Comme Im. Non, pas comme Im, oh, comme My Chemical Romance. Donc là, dans cet album, on retrouve Every Breath You Take, la chanson que j'ai connue malheureusement avec la reprise de Buff Daddy. Oui, c'est triste. Donc c'est un album de The Police, donc forcément c'est très reggae, hein. Sarah, justement, c'est le dernier album qui lui manquait, donc tant mieux, on le rentre enfin dans la collection. Il a donc le full set en vinyle, mais là du coup il existe 36 versions différentes de celui-là, donc bon courage Sarah pour avoir le vrai full set de The Police. Ça se trouve on a une version rare, hein. Faut qu'on regarde. Les deux prochains vinyles sont d'un même artiste, donc le premier c'est 5 Miles Out de Mike Oldfield. C'est un artiste que je ne connaissais pas du tout. Oh là là, la honte. Mais oui, mais je n'ai pas... Moi j'ai grandi dans la pop et dans le rap, donc forcément j'ai pas mes classiques comme ça, c'est triste. Je me rattrape heureusement avec des beaux vinyles comme ça. Et oui, quelle trouvaille, parce qu'en fait c'est un artiste de fou, ce mec. Vous allez voir, en fait il est hyper connu pour un autre album qu'on a trouvé du coup en vinyle aussi, que je vais vous présenter juste après. Et là du coup, c'est son 7e album. Il fait beaucoup d'instruments, ce mec.
monsieur. C'est un guitariste surtout, hein, il est connu pour être un très très bon guitariste. Et pas vraiment de chant. Là en l'occurrence, il y a une participation d'une chanteuse folk écossaise. Et cet album est très celtique, donc c'est super intéressant. Quand on l'écoute, on se croit vraiment en Bretagne, hein, parce qu'il y a la cornemuse et tout. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant quand on l'a écouté. C'est magnifique. Et petite anecdote sur la couverture que je vous montre là, qui est très très belle, hein, j'aime beaucoup. C'est une belle peinture. Il a écrit cet album, enfin en tout cas ce morceau 5 Miles Out, parce qu'en tournée, ils ont pris l'avion et en allant à Barcelone, l'avion s'est pris un orage et du coup, ils ont failli mourir. Voilà. Lui, Mike Oldfield et ses musiciens de tournée, bien sûr. Donc, du coup, il a écrit une chanson là-dessus. Et donc, le dernier 33 tours de ce lot, c'est du coup l'album le plus connu de Mike Oldfield que je vous ai présenté juste avant, Tubular Bells. Là, comme ça, ça vous dit peut-être rien, mais en fait, l'ouverture de cette musique est mondialement connue parce que, en fait, elle a été reprise dans le film L'Exorciste. Et oui, le truc hyper angoissant là. Mais en fait, l'original, elle est pas angoissante du tout. Et donc, en fait, sur ce vinyle, vous avez une face A où il y a du coup 25 minutes de la première partie de la chanson et une face B où il y a 23 minutes de l'autre partie de la chanson. Voilà, donc c'est une chanson en fait qui dure à peu près une heure. Le plus fou à se dire, c'est que Mike Oldfield a composé à 17 ans. Alors, avec les moyens du bord, il avait fait ça avec un petit xylophone à jouer pour enfants, une basse, et puis voilà, il avait tout fait ça lui-même, il avait enregistré sur un magnétophone, et puis hop, il envoyait sa petite maquette aux maisons de disques pour du coup se faire produire. Et c'est Virgin, enfin le futur fondateur de Virgin, qui le repère et qui du coup va éditer cet album. Ça sera le premier album édité par Virgin à l'époque. Donc, c'est la classe. Il va être du coup très très bien accueilli par le public. Hein. Il y a même sur la BBC l'émission Top Gear, c'est une émission de voiture, hein, pour ceux qui connaissent, c'est une bonne référence. Et bah du coup le présentateur en fait l'a diffusé parce qu'il trouvait ça ouf. Il a dit que c'était la meilleure expérience de sa vie. Moi-même quand je l'ai écouté, je me suis dit mais ce mec est un fou quoi. Mais c'est un génie. C'est la base du rock progressif, hein, donc il faut absolument l'écouter pour votre culture personnelle. Donc solo, nous l'avons eu pour 15€, nous l'avons négocié à 15, donc je vous laisse faire le calcul, vous allez voir, c'est vraiment un très bon prix pour les pépites qu'on a là-dedans. Le standard était un petit peu long sur la musique, moi je vais essayer d'être un peu plus court sur ce jeu-là, Marvel Super Hero Squad Comic Combat. Alors je suis très content de rentrer dans la collection, on en avait parlé il y a deux vide-greniers de ça, c'est le jeu Yu-Draw qu'on voulait en fait, tout simplement. Alors la collection Yu-Draw est pas énorme, donc on est très content d'en rentrer un nouveau dans la collection, surtout celui-là, c'est celui qu'on recherchait. Ce qui est très sympa avec cet opus, c'est que c'est pas un jeu de dessin, en fait c'est un beat'em all classique, dans lequel on se sert du stylet et de la tablette pour faire les actions. Donc on se déplace forcément et on fait les attaques en faisant des traits, des cercles, des triangles, et donc on a un gameplay qui est presque proche finalement de la console portable de Nintendo, hein, la DS, où on agit avec le stylet. Ce qui est cool dans celui-ci, c'est qu'on incarne plein de héros, forcément Marvel, hein, sans déconner, qui se battent contre Red Skull. Donc on peut incarner forcément Iron Man, Thor, Captain America, tous ces personnages-là, et on peut incarner Squirrel Girl, l'héroïne écureuil. Et c'est franchement sympa parce que ce personnage, on le voit rarement dans l'univers Marvel, pourtant il est très très sympa, et d'ailleurs, petit aparté, la pop Squirrel Girl est vraiment magnifique, c'est une pop que je recherche depuis longtemps, mais qui est pas facilement trouvable en France. Si vous l'avez, vous me l'envoyez, ça me ferait plaisir. Ce qui est plutôt sympa aussi, c'est que le côté dessiné, un peu cartoon, va bien avec le côté tablette, crayon, hein, on a l'impression presque d'être dessinateur de BD. Par contre, le jeu est pas très bon, clairement, c'est un jeu pour enfants, encore une fois, c'est très simple, très répétitif. Apparemment, en plus, c'est des gros problèmes de gameplay, et surtout de voix pour les personnages, hein, qui répètent en boucle la même chose. Pas forcément un titre sur lequel on va s'attarder, mais un nouveau titre qui rentre dans la collection Yu-Draw, donc peut-être un éventuel full set Yu-Draw, en tout cas sur Wii. On avait parlé de ce jeu-là dans un précédent vide-grenier, et il est apparu en vide-grenier, donc peut-être qu'on a des super-pouvoirs, et peut-être que, comme les héros Marvel, je vais pouvoir faire apparaître un jeu dans les prochains VG. Donc ma prochaine demande, ce sera le Yu-Draw Pictionary, parce que je pense que ça peut être franchement cool. En plus, ça fait référence encore au court-métrage sur Pictionary, c'était bien. Donc moi, je veux le Yu-Draw Pictionary. Je passe aussi un gros big-up à Clément, il se reconnaîtra. On l'a rencontré sur ce vide-grenier, le vide-grenier où on a trouvé ce jeu, et c'est un abonné de longue date qui est franchement cool. Super content de t'avoir rencontré en vide-grenier et d'avoir pu partager un petit peu avec toi. Apparemment, t'as une super collection, on a envie de la voir. En tout cas, merci à toi parce que tu nous avais donné des bons plans il y a quelques temps de ça sur Facebook, donc t'es un abonné en or. Merci beaucoup. Ce Marvel Super Hero Squad est complet et nous l'avons payé 3€. On passe à un jeu un peu plus pour les adultes, on va dire, que le Yu-Draw, hein, parce qu'on n'est pas que des enfants, on achète aussi des trucs un peu plus badass. Là, en l'occurrence, c'est Overlord sur Xbox 360, donc un jeu d'action qui se joue à deux. Donc c'est cool pour Sarah et moi. En plus, c'est soit en duel, soit en coop, donc si on a envie de se fighter, on joue en duel. Sinon, bah, si on a envie de gentil l'un avec l'autre, et ben on joue en coop. Donc le but du jeu, c'est super cool parce qu'il faut ravager le monde. Et oui, ça change. Pour une fois, il ne faut pas le sauver, mais le détruire. Donc c'est trop bien. Donc on incarne un soldat des enfers qui contrôle en fait des petits démons, des petits mignons, comme on appelle ça dans les jeux vidéo. Et du coup, ils font tout à notre place. Donc ça, c'est cool. En plus, ce jeu a un esprit moqueur de l'heroic fantasy, donc ça change. C'est sympa. Et en plus, il respecte forcément bien le tout ce qui est décor. Donc le jeu est assez beau en fait à ce niveau-là. Vous avez des cités médiévales par exemple, ou des forêts assez elfiques, un peu bleuté, tout ça. Bon, après, les petits défauts de ce jeu, malheureusement, c'est qu'il est un peu simple.
et que l'animation apparemment est un peu rigide. Hein. Tant que c'est pas Yono and the Celestial Elephant que Sarah n'avait fait en découverte, hein, je vous invite à aller voir, c'était il y a quelques temps de ça. Moi je dis ça passe, et puis de toute façon ça peut être un très très bon défouloir. Le jeu est en plus complet, nous l'avons payé 3€ au lieu de 4, donc ça fait plaisir. On va changer de l'univers un petit peu gothique, heroic fantasy qui fait un peu peur, là on rentre dans un univers trop kawaii, l'univers de Nemo. Oui, oui, non, hein, le film Nemo n'est pas très très joyeux, entre guillemets. L'histoire de base est pas top, hein. Un poisson clown handicapé qui se fait élever par son père, veuf parce que sa mère est morte, c'est un peu compliqué. C'est pas terrible comme postulat de base en tout cas. Donc le monde de Nemo sur GameCube, le jeu tiré du film, hein. Le film excellent de Pixar, primé aux Oscars comme meilleur film d'animation en 2004. Pour moi d'ailleurs un chef-d'œuvre de l'animation, j'aime beaucoup ce film d'animation de Pixar, et vraiment, vraiment top, un des meilleurs je trouve. Le jeu reprend la même trame, il est beau, il est très très beau, la GameCube permet vraiment de faire des belles choses comme d'habitude, hein, je le répète à chaque fois, mais pour moi la GameCube c'est son grand intérêt, c'est le côté graphique. Hein. Il y a vraiment une belle puissance de calcul derrière ce petit cube qui permet de faire des trucs très très beaux. Le jeu est drôle également, hein, puisque c'est pareil que le film, hein, il y a de l'humour même si c'est tristoun quand même à la base. Par contre c'est injouable, clairement c'est fini à la pisse, on peut le dire clairement. Hein. THQ, qu'est-ce que vous avez foutu? Je ne sais pas, mais en tout cas le personnage de Nemo est hyper lent à contrôler, hein, ça me rappelle encore un jeu, hein, comme l'a dit Sanda. Le gameplay est hyper répétitif, on passe son temps à faire des courses de vitesse, je vois pas trop le rapport avec le film Nemo en plus, je sais pas, ils se sont dit un gameplay sous l'eau, on va faire des trucs de vitesse sous l'eau, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. En tout cas je m'en fous, le jeu je le ferai pas, mais il fallait que je le rentre dans la collection, vous savez que j'ai mon full set GameCube à faire, que là ce titre je ne l'avais pas, malheureusement il est en choix des joueurs, c'est pas très grave, il est complet, et on l'a payé 4€, ce qui est pas cher du tout pour un jeu de GameCube, surtout pour un titre Disney qui forcément est plutôt recherché. Yeah, can you see my beautiful casket from the aperture of the box of the pop, box of the pop, box of the pop, box of the pop, box of the pop. Et oui, pourquoi je porte une casquette de baseball, vous allez vous dire, et bien tout simplement parce que je vais vous présenter un film sur le baseball qui s'appelle Le Stratège, un film de Bennett Miller sorti en 2011 avec Brad Pitt. Donc vous voyez, c'est écrit d'après une histoire vraie, c'est en fait l'histoire de Billy Bean, that my love. Arrête de chanter. Ah oui, faut que j'arrête de chanter. Il a vraiment existé, donc c'est un monsieur en fait qui est directeur d'une franchise de baseball qui veut monter une équipe en ligue majeure, donc le top of the pop des trucs de baseball quoi, et en fait il a pas de budget, il a pas de sous. C'est le pitch très très résumé, hein, que je vous fais parce que c'est pas le plus important dans ce genre de film, on le sait, c'est plutôt la réalisation. Alors Bennett Miller c'est pas un réalisateur hyper connu parce qu'en l'occurrence il n'a fait que 4 films dans sa vie, c'est pas beaucoup, mais il a fait aussi Truman Capote et en fait c'était aussi un biopic et apparemment très bien reçu, je ne l'ai pas vu. Et surtout, surtout, il faut le dire, il y a Brad Pitt c'est un excellent acteur et apparemment il est très très bon dans ce film d'après ce que j'ai lu, donc ça donne envie de le voir tout simplement, surtout que c'est écrit aussi gros que le titre du film, donc je pense qu'il est bien dedans, hein, sinon je le mettrais pas autant en avant. Donc un film qu'on a hâte de découvrir parce que de toute façon ça sert à ça les vide-greniers, hein, ça sert à trouver des petites pépites comme ça qu'on ne connaît pas forcément, et en plus on l'a eu à 2€, donc franchement c'est cool. Je termine ce vide-grenier par le coup de fusil, et oui, un magnifique lot de jeux de 3DS payé un peu cher peut-être, mais des titres qu'il fallait avoir dans la collection. On commence par The Legend of Zelda Triforce Heroes, je suis très très content de le rentrer dans la collection, ça fait très longtemps que je le veux ce jeu, bon c'est un Zelda forcément que je le veux, mais celui-ci en particulier, parce que déjà la jaquette, mais genre, mais ça me rappelle un peu la bonne époque Wind Waker ou Mimish Cap, les dessins quoi, c'est trop classe. Cet opus ne reprend pas le gameplay classique de Zelda, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune exploration, ou très très peu. En fait, on va vraiment être sur un jeu de donjon qu'on explore, et dans lesquels il faut battre des ennemis et résoudre des énigmes, comme d'habitude, comme dans tous les Zelda. Donc les puristes du jeu de base vont être un petit peu déçus pour cet abandon, mais pour moi c'est chouette, parce qu'en tout coup on se concentre vraiment sur une des phases de gameplay de Zelda. Sur la jaquette, vous voyez trois Link, le rouge, le bleu et le classique vert, et oui, car le vrai intérêt de ce Triforce Heroes, c'est le jeu en multi. Un peu à la bonne époque d'un Force World Adventure sur GameCube, qui est le jeu que je recherche d'ailleurs, hein, si vous voulez aussi pour mon full set GameCube me le trouver, ce petit Force World. Il est magnifique, hein, la jaquette elle est... Et oui, là on incarne trois Link différents, donc on peut jouer vraiment en solo et incarner les trois Link, hein, à tour de rôle, ou alors le gros intérêt c'est de jouer à plusieurs. Et on peut jouer à plusieurs avec une seule cartouche, ça c'est cool. En plus de ça, il y a une vraie dimension stratégie pour le coup dans les donjons, parce que contrairement aux autres Zelda où vous avez plusieurs armes secondaires et vous pouvez alterner, là il faut en choisir qu'une seule à chaque début de donjon. Donc il faut bien la choisir, et en plus de ça, le point fort c'est qu'il y a plein de tenues différentes qui boostent en fait des stats différentes. Donc vraiment faut se dire quelle arme secondaire je prends, quelle tenue je prends, et en plus penser aux tenues et armes secondaires des autres personnages. Donc c'est ça le vrai intérêt, c'est le jeu complémentaire et la stratégie complémentaire des personnages. Alors que du positif, bah oui, forcément c'est un Zelda, mais un gros point noir pour moi, un vrai point noir, on ne peut pas jouer à deux. Et ça, je ne comprends pas ce qui s'est passé dans la tête des développeurs. On peut jouer donc en solo et incarner les trois personnages, ou on peut jouer à trois, avec une seule cartouche, c'est cool. Mais on peut pas jouer à deux.
Pourquoi on peut pas jouer à deux et qu'il y a un bot ou que un des personnages incarne deux personnages? Je comprends pas. Ça m'énerve. Donc moi, si je veux jouer avec Sansan, eh ben je peux pas. Bon, ce jeu était annoncé à 20€ à la base. Je vous dirai le prix de négociation à la fin. Le deuxième jeu de solo, je suis encore plus content. Pokémon Mega Donjon Mystère. Ben oui, l'épisode sur 3DS. On est sur la même mécanique que les Donjons Mystère. C'est une suite, mais cette fois-ci, d'où le nom Mega, on intègre les Mega Evolution. C'est une série qui est apparue sur GBA en 2006. Et en fait, la grosse révolution de cette licence, c'est qu'on incarne un Pokémon et avec une team, on doit parcourir des donjons qui sont faits de manière procédurale. Et ça, c'est chouette aussi parce que c'est vrai que les univers Pokémon sont toujours très linéaires ou en tout cas très dessinés avec une carte. Là, le côté procédural, vraiment un peu à la Binding of Isaac ou même à la Minecraft justement, ça rajoute un côté vraiment random qui fait une expérience de jeu unique à chaque fois qu'on recommence le jeu. Ça, c'est cool. Donc le but, c'est de parcourir les donjons, d'amasser des items, de battre d'autres Pokémon et de battre des boss. C'est très répétitif. Faut aimer le farming hein, pour le coup. Moi, j'aime ça. Tout le monde n'accroche pas du coup à ce genre de jeu, mais ça reste quand même, je trouve, très diversifié pour moi, ne serait-ce que parce qu'il y a plein de Pokémon différents à découvrir, donc c'est plutôt chouette. Dans cet opus, on doit aussi récolter des gemmes pour pouvoir méga évoluer, tout simplement, et être plus fort. Et la nouveauté aussi de cet opus, qui est plutôt cool, c'est qu'au début du jeu, on a un questionnaire, ça je trouve ça vraiment, vraiment top pour le coup, où on nous pose plein de petites questions qui vont déterminer quel Pokémon on va incarner dans l'aventure. Et ça c'est chouette, parce que c'est vraiment ta personnalité qui va déterminer le Pokémon que tu vas être. Et donc on a le choix entre plus d'une vingtaine de Pokémon, c'est-à-dire tous les starters jusqu'à la 6ème génération. Donc forcément, moi je suis Carapuce. Ce Pokémon Mega Donjon Mystère était lui aussi annoncé à 20€, ce qui faisait 40€ les deux, ce qui faisait un peu cher. Mais bon, là en ce moment, on met, vous avez vu, un petit peu plus le prix dans les jeux, parce que on préfère avoir des bons titres comme ça, et moins acheter plein de petits titres comme ça, pas chers à 1 ou 2€, qui sont forcément de moins bonne qualité. Et c'est surtout d'ailleurs qu'on commence à faire le tour en jeu de PS2 à 1€, on commence à avoir un truc énorme, donc au moment c'est bon. Donc après négociation, nous avons réussi à avoir ces deux titres pour 15€ unité, ou 30€ les deux, c'est comme vous voulez, hein. Moi ça me dérange pas, on fait le calcul ensemble, hein. 30, 15, 15, 30, ça revient même. Super super content de les rentrer dans la collecte. Alors peut-être que ça fait un peu cher pour vous, pour des coups de fusil. Moi pas. Clairement. Clairement, ça je suis content. Ça je suis content et voilà. Voilà, c'est tout. Allez, salut. Hein, salut. Alors oui, c'est fini ce vide-grenier déjà, malheureusement. C'était un peu court. On n'avait pas beaucoup d'objets à vous présenter, mais on avait beaucoup à dire dessus, donc forcément, hein, il fallait qu'on réduise un petit peu le nombre. Je suis désolée pour Saran parce que du coup il est tombé que sur des objets un peu moins culturels que moi, mais bon, c'est comme ça, c'est un peu le hasard. C'est un peu ce qu'on préfère présenter aussi. Et si vous nous croisez en vrai, hein, comme Clément, comme nous l'a raconté Saran tout à l'heure, n'hésitez pas à venir nous voir, hein, comme toi, Jim. Je sais que tu nous croises, tu nous le dis en plus. Ouais, je vous ai vu, machin, je vous ai vu là. Mais tu viens pas nous dire bonjour. Il faut pas hésiter, on ne mord pas. En plus, on est très content de vous rencontrer et de parler avec vous. Ça fait vraiment plaisir. On vous laisse là-dessus. N'oubliez pas, bien sûr, de laisser votre petit pouce bleu de soutien. C'est important. Laissez aussi votre commentaire pour dire ce que vous avez pensé de tous ces objets. Hein, parce qu'on a eu un peu de tout dans ce vide-grenier en plus. Donc c'est cool. Et surtout, abonnez-vous parce que c'est bien pour l'humanité. Je vous l'ai déjà dit.